My Hero Academia a son putain de prime. Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode, putain de merde, je le dis. My Hero Academia, c'est en ce moment le Real Madrid en Champions League. C'est imprenable, c'est imprenable. Tout a été calculé, tout a été fait, tout était prêt, tout était choquant, c'est incroyable. Et en plus, le pire, c'est que le meilleur est à venir. Oh là 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 là, je me suis dit comment ils vont faire pour faire mieux que la saison 6. Et là, ils arrivent, et ils font mieux que la saison 6 avec cette saison 7 avec cet épisode. Mais comme j'ai dit, le pire, c'est que les épisodes, ils vont venir, ils vont être encore plus flippants, ils vont être encore mieux animés, c'est incroyable. Tout a été calculé, tous les personnages sont là, tous les changements, c'est incroyable. Putain, meilleur animé, c'est incroyable, les gars. Il faut follow ça, il faut suivre. Oh putain de merde, quel épisode. On a vu tout le monde se mettre à l'œuvre pour arrêter Shigaraki, pour arrêter All for One, pour arrêter les vilains. Tout a été calculé. Mais Hatsume avec ses matériels, Momo qui pouvait créer du matos, Sementos qui peut créer aussi du matos, Volt Charge qui peut charger la barrière électrique pour Tomura, Aetherhead qui donne son alter automatiquement à Monoma pour pas pouvoir que Shigaraki l'attaque, et ainsi de suite, tout est calculé. Puis Best Jin, il essaye d'attaquer Shigaraki, mais Shigaraki est contre, et il se fait balancer comme une mouche dans l'électricité, et dégage, et ça lui fait rien parce qu'il s'est régénéré, et quand il s'est régénéré, il attaque. Quand il attaque Bakugo, il sait pas c'est quoi cette attaque, il l'a jamais vu. Et malheureusement, Meskin Mirko, elle se prend une attaque en pleine gueule. Elle a rien demandé, elle voulait juste sa revanche. Elle a perdu un bras et un pied à cause de lui pendant la saison 6. Elle voulait prendre sa revanche et là, direct, elle se prend une grosse baffe comme ça dans la gueule. Mais laissez-la tranquille, laissez-la tranquille, elle a rien fait, elle veut juste sauver les gens. Ah, et puis on voit Hawks qui arrive de nulle part, il arrive, tcha, avec son truc tranchant là, ses ailes tranchantes. Bon, ça a pas tranché All for One parce qu'il avait comme une armure de mecha en mode de Dark Vador, tu connais. Mais il est arrivé en mode tcha, il s'est dit Endeavor, Hawks, ensemble contre All for One. Il y a des combats de partout. Des coups, faut parler des coups. Izuku Midoriya qui s'est fait attraper au dernier moment par Toga et Miko. Elle veut pas lâcher l'affaire, elle veut pas lâcher ça. Laisse-nous tranquille, Toga. Il y en a rien à foutre de toi, Izuku Midoriya. Il y en a rien à foutre de toi. Laisse-le tranquille. C'est trop ça. Elle est trop attachée à lui. C'est quoi ce niveau de stalking? Laisse-le tranquille. Et du coup, comme il l'a attrapé, le plan c'était que Izuku il se batte contre Tomura. Sauf que bah, il est plus là, Izuku. Il est en train de se battre contre Toga. Parce que Toga l'a attrapé. Et le truc c'est quoi? C'est que comment ça se fait que le cinquième sens de Izuku s'est pas activé? Et c'est là où justement il se le dit lui-même dans l'épisode. Comment ça se fait que mon cinquième sens il a pas senti? C'est ça la question qu'on se pose. On n'a pas la réponse. Donnez-nous la réponse. On a des questions. On veut des réponses. Et Meiyatsume qui a créé tout le matériel. Enfin, pas le matériel. Mais c'est elle qui a eu l'idée. L'ingénieur principal. C'est elle. Einstein. C'est elle. C'est elle qui est au contrôle. C'est elle qui est aux commandes. Elle a 16 piges. Tu faisais quoi, toi, à 16 piges? Tu contrôlais quelque chose? T'arrivais à être... T'arrivais à être comme elle? Elle a réussi à créer des forteresses qui tiennent plus de 3 secondes contre les vilains les plus forts du monde. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Puis tu vois Bakugo qui lance une attaque. Tu dis, bon, il va lancer son attaque comme d'habitude. Mais non, il lance une attaque pour que Nijiri-chan y combine avec elle. Et sauf que Tomura, il esquive. Mais en esquivant, qu'est-ce qui se passe? Mirko, elle attaque avec Best Jeans et il combo. Et Tomura, il esquive. C'est trop bien. On veut plus de ça. Mais le plan de All Might était incroyable. Ils étaient tous enfermés comme dans des apéricubes. Ils étaient dans des cuves. C'est-à-dire, les mecs ne pouvaient pas sortir plus de 3 secondes. Puis Monoma, c'est incroyable. Le mec, il arrive de la seconde B. Il vient, il te fait l'alter de Eraserhead. Il vient, il te fait l'alter de Black Mist. Le mec, c'est un héros. On l'a vu. Allez, on l'a vu 10 minutes sur plus de 200 épisodes. Et là, il arrive. C'est le MVP. C'est le ballon d'or. C'est le ballon d'or de l'épisode. Donnez-lui. C'est comme Vinicius. Donnez-lui le ballon d'or maintenant. Et il y a entre autres, ce que j'ai pas mentionné aussi, le combat qui va arriver entre Dabi et Toya et Shoto Todoroki, qui a toujours pas de nom de héros d'ailleurs, lui il commence à casser les reins, bon bref, peu importe.
Eh, bataille de famille, bataille entre frères et frères, bataille entre grands frères et petits frères, bataille entre Oni-chan et je sais pas comment on dit en japonais, bref, vous avez capté. Ça va être incroyable. La glace contre le feu contre le feu, le feu contre le feu contre tout le monde, contre Toya, contre Dabi. C'est incroyable. Les problèmes de famille vont se régler sur le terrain, en one-one, tête à tête. Dabi, Shoto Todoroki. On va en avoir des nouvelles et on va être stupéfait. Et Shinzo aussi! Putain, j'ai pas parlé de Shinzo! Shinzo! Le lavage de cerveau! On l'a vu depuis la saison 2! On est à la saison 7! La saison 2, elle est sortie en 2015! On est en 2025! 25, je suis un ouf, moi je suis dans le futur fut! On est en 2024! Il a préparé tout ça pour ce jour même, pour aujourd'hui! Et il a réussi à développer son alter pour faire en sorte que All for One capte pas que Yoga faisait une sorte de mentir. Incroyable, incroyable comment les personnages ont évolué et c'est ça qui fait que My Hero Academia est à son prime. J'en perds mon latin, j'en perds mon français, j'en perds les mots, j'en perds les paroles, j'en perds les lettres. C'est incroyable. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte d'analyser la suite. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.